Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Il y a eu 2 millions de Français qui sont descendus dans la rue le 19 janvier pour dire non à cette réforme, cette nouvelle réforme des retraites. Et on est là ce matin une nouvelle fois pour dire qu'on n'en veut pas. On ne veut pas travailler jusqu'au cimetière. On veut vivre dignement, dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Moi, je... Que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité. Alors on va dire non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat quand même. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Et j'invite les gens qui, de manière simpliste, quand j'entends certains qui ne l'ont pas fait quand ils étaient aux affaires, dire c'est ça la solution, d'abord de regarder notre société.